Mesdames et messieurs, nous comptons pour nous capables présenter un spécial VHTC Info La Caillou. C'est serviteur Jacques Fadon qui présent. On va suivre le journal VHTC Info, rubrique locale Turks and Caicos Island. Peut-être sur radio VHTC 411 FM, Radio Creole 95 FM, Jacques Fadon TV sur YouTube. Ouvrez un chez nous. Nous là, nous pourrons parler ensemble avec vous de une spéciale conférence de presse que Madame Primaire, Sherline Cotter-Robinson, avec honorable ministre touriste Ralph Higgs, qui était bâillé en conférence de presse à Nation, hein, jeudi 25 juin 2020. Quand on a eu la conférence, il a été parlé sous réouverture Turks and Caicos Island avec plusieurs autres prêts encore. Mesdames et messieurs, avant que nous entrions dans l'information rapide en détail, une fois qu'on a eu le journal, ça, il est patronné par Sony Store. Sony Store trouve les sous Woodsot Dakla, dans Carrefour Radio Creole, unité 1, premier porte là. C'est là Madame Ludlin avec un bel sourire qui dit ou vin prend tout ça au besoin, à tout breuvage avec appareil électronique et téléphone, puis bon prix dans ville là. Et yo fait partie du groupe qui a supporté téléphone pour journal VHTC Info. Dwight Center Building Material, TNK Variety Store depuis Q-Town, avant on prend l'école catholique là, elle prend tout service là, yo même encore patronné téléphone VHTC Info. Bestest Restaurant Marie-Loude Godadag, restaurant à Carrefour Fafkiz à l'étage. Côté que là, on a besoin d'un bon service dans le restaurant. Ça. Universal Landscaping, on a besoin de mettre la courtifi pour planter tout fruit. C'est Universal Landscaping. 100% vérité. Eh bien, 100% vérité, bons amis, nous, supportez-nous dans le téléphone. Dieu fait Jean avec un pilote d'amis encore. Global Advocate Solution. Best Price Tire Shop depuis Backwood dans Plaza Gabiala. Eh bien, tout fanatique ça y est avec tout l'autre ami. Professeur Wesley Pierre, Augustin, tout ami qui est là avec nous. Cap supporter nous dit merci, cap supporter journal ça et encore bédé nous gagne un téléphone pour journal ça avant longtemps, nous dit merci. Nous allons entrer en détail pour nous dire qui Jean ça est, qui Jean conférence de presse a été passé, qui Jean madame nan lui même était parlé, répondre question yo. Mesdames et messieurs, d'abord on a fort commencer tendez madame première en écouter. I also have with me this morning the Minister of Tourism who will make a brief statement and answer your questions surrounding the opening of our borders, which we now can confirm is set for July 22nd. This will be preceded by the full opening of the local economy on July 6th. Within 11 days, all businesses here will be allowed to resume operations while observing all protocols set for their particular industry. While we are gradually moving to the full reopening of the economy, we must stress that COVID-19 remains a threat, and it is likely to remain so until a vaccine is found. Mesdames et Messieurs, Madame Primaire Sherline Cotter-Robinson confirmé que Turks and Caicos Island a réouvert les portes web par web 22 juillet 2020 Cap Vinila. We have agreed that once our borders are open, all arrivals in the immediate period would have had to undergo testing for COVID-19 at their place of origin. That test would have to be done 72 hours before travel. In addition, all non-national arrivals will also have to procure travel insurance before they travel to Turks and Caicos. Madame Première Charline fait connaître tout le monde qui a entré dans Turks and Caicos Island, excepté citoyens pays, tout le monde doit faire test COVID-19 avant de retourner et test là doit faire maximum 72 heures avant de venir dans Turks and Caicos Island. Et tout le monde qui a venu dans Turks and Caicos Island doit gagner assurance de voyage avant de rentrer dans le territoire pour si un cas où tu as un problème pendant que tu es dans le territoire. En écoute, madame. Là. I wish to make it clear that the 14 days quarantine requirement will no longer apply. Gouvernement Turks and Caicos Island a retiré 14 jours quarantaine pour moun ki fink vini yo, donc yo pas obligé kembe yon touriste parce que c'est bagay ça va faire logique pour un touriste avant d'entrer faut faire 14 jours en dedans hôtel avant que vous sortiez. Eh bien gouvernement décide de retirer, c'est ça que fait, yo mandé faut faire test avant ou entrer. On écoute plus toujours. Emergency powers expired fully and as such the curfew expired at 5 a.m. Essential travel for residents ordinarily residing in family islands outside of Providenciales is now allowed. Mesdames et messieurs, loi état d'urgence là terminé et couvre-feu a fini et moun kap vive dans l'autre île yo qui gen besoin yo ka voyager vin dans Providenciales comme ça doit si c'est voyage parce que ou gen yon besoin pas gen problème ou capable vini. In this new phase,
Up to 25 people are being allowed to attend indoor or attend outdoor settings, church services, weddings, funerals, and social gatherings. Please note that these are for outdoor settings, as the limit of 10 people for indoor events remain in place. While we are increasing the number of people who can gather outdoors, we are not letting our guards down, and we must not let our guard down. An ouè ki sak di pou za fè l'église, madame nan sot pale konsa l fè konnen ke pou kesyon de l'église, aktivite de mariage, anterman e ankon, an dedan l'église yo, lokal yo menm, madame nan fè konnen, se solman 10 moun ki kapab reyni an de auditorium yo, tankou jan liye deja la, 25 moun kapab reyni an de yo nan la kou l'église la. Men se 10 kap an dan, 25 kapab de yo. Bon. Mesdames et messieurs, nous pensons que c'est pas comme ça on te dit bagala ta pral lié, mais de toute façon nous par contre c'est à cause que gen 4 l'autre cas encore là qui cause bagala vient changer. Mais c'est comme ça madame nan di li pa risquer an yen là, li obligé prendre ça au sérieux. 25 moun nan c'est dehors la pied, c'est 10 qui ca en dedans local l'église yo. Que c'est pour mariage, que c'est pour enterrement, que c'est pour service pour faire adoration, c'est 10 cap en dans local là, si c'est deux à faire ou cap en 25, mais si c'est dedans, c'est 10 la pied, mesdames et messieurs. Donc c'est pas ça nous t'attendre, mais c'est comme ça on dit la pied qu'on y a, n'a obligé résier nous, nous prendre là. Please note as well that personal services reopen to walk-ins, that is barbering or beauty salons. Qui ça madame nan dit pour salon de coiffeur avec salon de beauté yo, madame nan dit comme ça que salon de coiffeur avec salon de beauté yo. Konya, yo ka resevwa kliyan san yo pa fè randevou. Sa ve di, semen pase yo fote gen randevou avan. Men, konya la, ou kapab resevwa kliyan san ke ou pa fè randevou. Sa ve di, mounan karanik pare, di di mvin fè cheve, ou yem vin fè zongmen, ou yem piye mnenpot jam, vin penye. San ke l pa fè randevou, d'apre Madame Primer. As it stands on today, Thursday, June 25th, there are now 4 active confirmed cases of COVID-19 in the Turks and Caicos, with 2 additional cases since we last reported. During the entire period since the outbreak of the pandemic, there have been now 16 cases altogether, with 10 recoveries and 1 death. Madame Brimé a confirmé que gagné 4 nouveaux cas coronavirus qui confirmé dans Turks and Caicos Island de jeudi 25 juin 2021 là, et ça fait un total de 16 cas corona qui confirmé dans TCI depuis l'épidémie a commencé là. 10 moun refait, yon moun mouri, 4 moun là confirmé, gagné un moun qui quitter territoire. Ça veut dire qu'il y a 4 moun qui fait confirmer là qui actif avec virus là pendant que n'a parlé là et y a cherché tout moun qui était en contact avec moun sa yo. Puis on teste, puis on reste si par genre qui gagne toujours, mesdames et messieurs. Through the grace of God and through the hard work of our healthcare professionals in particular, and through the vigilance and sacrifice of the people, we have done well in managing this crisis. We must not lose our early gains, and while we prepare for an outbreak with the increase in our medical capacity through the procurement of critical PPEs, health staff, in-country testing, infrastructural upgrade to the hospital, and through the procurement of oxygen generation to extend ventilator care, we need to remain alert and guarded. We cannot relax ourselves. We see that the virus is here and is up to all of us, whether it remains contained or if it spreads. I must say, as I always do, that the government reserves the right to roll back and impose any measure to contain the spread. We rely on you, our most valuable partners in this regard. Encore, Madame Brimé a parlé de qui j'ai coronavirus là a valé terrain dans la région. Il parlait de quantité qui en Haïti, quantité qui en République Dominicaine, la Jamaïque, Cuba, avec Floride là, que l'hôpital a commencé par une place. Il dit à cause de grâce bon Dieu et travail dû que travail santé au fait dans le territoire, eh bien, Fonzo, Titi a une plus bonne position, plus bonne position dans le moment ça, c'est ça Madame n'a fait qu'on est, mesdames et messieurs. Mais il demandait tout le monde pour nous rester vigilants parce que le virus là toujours nan mitan nou et nou déjà ouais clairement li di y a travay très dur pour ka augmenter capacité service santé pays a et madame Brimé a fait konnen n'importe moment gouvernement gen pouvoir pour li ka camper tout bagay encore si que nous pas prend mesure de précaution que nous devons prendre au sérieux. C'est ça que madame n'a fait konnen, ça veut dire parents n'importe là ka bloqué tout bagay encore, c'est pour nous prendre mesure au sérieux, mesdames et messieurs. On continue écouter madame nan. We have allocated $15 million for direct stimulus to workers, householders, and small businesses in particular. I pause to give a further update on this program. The dashboard is showing 6,573 approved in the Employee Stimulus Cash Grant Program.
The team has been focusing on posting of check payments during the last week and reconciling those payments that were approved but have not reached the employees' hands or bank accounts. A batch of over 600 checks will be paid in the upcoming days. These include several hundred bank payments that were rejected because bank account numbers were wrong or bank accounts were closed, as well as payments for which applicants would have chosen check as their preferred method of payment. There were some 600 approved payments in the system for which there were no matching national insurance contributions at the time of approval. This means that those persons would have seen approval or conditional approval as their status, but payments could not be progressed except through sight of the payslip or some other third-party validation. Team members have been reaching out to individuals and the establishment, employing those staff for verification of employment and or pay slips. The entities have been most helpful in providing the information, which aids in expediting payments to workers. The team have found in this batch a number of persons misrepresenting their status of employment. As has been said before, we trust applicants to be forthright in their submissions, but there are systems to verify and we will be caught. The compliance folder number 675 now, as applicants continue to upload missing documents. Again, if you have not checked or seen emails from the originating compliance caseworker, please advise the team by email. The team is able to resend emails as well as change email addresses for persons who have errors in their email addresses or for those who cannot remember their email passwords since submission. The final decline folder is reopened as promised, and the team is now reviewing over 400 applications that were declined for workers that most definitely fell within the tourism and hospitality industry and were declined for one reason or another. Individuals working with this sector who feel that they have been declined without just cause are encouraged to send an email to the team stating the case for the file to be reviewed. For those that have missing documents, in the case of small establishments, business owners will be notified in block of employees that are still having issues, and of course the human resource managers of the larger entities will be notified and are expected to assist with complementing the folders of their employees that have missing documents. For those persons receiving payments at the treasuries and sub-treasuries, lists will be available at the premises of the checks ready for distribution. This will lessen the chances of the applicant having to wait in a queue if the check is not yet prepared. Please have your reference numbers and identifications in hand, as this will move the process along quickly. If you have duplicated references, you will need to know all of them, which one was approved. The email address to send your employee status or stimulus cash grant queries to is covid19-stimulus@gov.tc. covid19-stimulus@gov.tc. Là, madame, nan parler sous programme aide stimulus là, il t'a stimulé l'économie pour aider travailler hospitalité yo. Madame, nan fait qu'on est déjà gagné 6573 et bien application qui approuvé nan programme nan travailler et hospitalité yo. Il fait qu'on est que moun yo doit commencer passer pour un chèque yo là dans semaine là parce que quand il chèque qui déjà paré. Madame, nan fait qu'on est que 600 chèques déjà paré pour vous là. Et il fait qu'on est que et raison qui fait en pile moun pas joindre kobyo déjà c'est parce que gien en pile moun yo fait erreur dans numéro compte banque yo gien l'autre tout madame nous dit qui yo bail en compte banque c'est vrai mais compte banque là déjà fermé on va faire activité sous lui pendant une période de temps donc ça fait en pile moun ça madame nous décidé voyer chèque bail moun ça yo donc ça fait quelques amis qui dit c'est yo te numéro compte mais yo pas voyer l'argent sous compte et bien sous pas wel compte là gien les gros problèmes ou te font erreur dans numéro bien compte là fermé c'est dans chèque qu'on joindre pour aller checker trésor. C'est public, c'est ça madame nan, li même li fait qu'on est et pour aller chercher l'argent là. Madame nan dit comme ça que yo a approuvé en pile moun mais yo pou ka ba l'argent à cause de problème NIB yo pa jwenn record NIB yo mais à cause que yo travail moun sa légitime, yo approuvé yo quand même, yo approuvé à condition que pa continuer faire recherche toujours. Donc madame nan mandé que moun sa ou chèque yo paré aller nan aller dans trésor. Yo gen yon liste que yo pral mette deyò pour garder liste là à marcher avec et tout numéro confirmation que sous t'appliquer des fois marcher avec tout numéro yo
et à con carte d'identité pour garder dans l'espace voici non là dedans si numéro là dedans c'est pour la approuver. Après ça pour moun qui poko approuver a tann yo. Madame n'en fait connait que gen moun qui fait erreur dans email yo. Gen moun qui oublié mot de passe email yo pas ka rentrer là dedans. Yo ba accès moun ça on capable voyer l'autre email pour yo capable revoyer code là pour nous voyer document que yo besoin yo. L'autre email là c'est dans email ça pour voyer l'autre email là qui va voyer. Email là c'est covid-19-stimulus@commercialgov.tc. De vous voyez un email dans email ça, eh bien vous même il y a pas changé email là pour si que vous avez un erreur dans email là. Donc tout le monde qui allait dans trésor pour aller chercher ti chocho yo, songe ma chaque tout code de référence ou te appliqué yo, sou te fait deux fois ma chaque tous les deux, ça ka arrivé c'est yon nan yo qui a approuvé là dedans. We are acting more closely with the office of the governor and as a consequence the public service to ensure that the declared policies of the government are executed efficiently and speedily. This has not always been the case, but we are confident that all sides have learned from the missteps that have caused some frustrations in some circles. At the end of the day, it is crucial that all arms of the state work well together for the benefit of the people and residents of the Turks and Caicos in whose names we act. What this pandemic must teach each and every one of us is that when people's lives are at stake, their well-being must not be frustrated by archaic attitudes and turf hoarding, but the people we seek to represent are not abstract numbers, but real lives. They are our neighbors, our church allies, our children's teachers, our club members, our families, and our friends. We are mindful that we must broaden our consultation processes on all aspects of national development. Cabinet yesterday approved a broad-based economic council, which I know will go hard at work in fulfilling its mandate to provide advice to the executive. We must also note that we have promoted further consultation on the public order bill that is before the House of Assembly. A lot has been said about this bill, but we must ensure that the bill achieves its intended purpose. That is why before Monday's sitting of Parliament, I had informed the Leader of the Opposition as to our intention to leave the bill in its second reading so that dialogue can continue within the declared intent of the bill. Constructive dialogue is ongoing, and we note in particular the constructive engagement of legal views independent of the Bar Council, especially on this matter. On l'autre côté encore, mesdames et messieurs, madame Brimea fait connait il y a travail de concert avec office gouverneur et toute décision yo point c'est en bénéfice ou bien en faveur citoyen avec résident qui vivent dans territoire et parlement Turk Sosaland là formé une équipe pour bail conseil à équipe exécutif là et madame Brimea a décidé pas faire voter législature qui parlait sous activité criminelle dans pays a côté que gagne pile moun qui devait connaître législature ça a metté babouquette dans bouche peuple là sous question de liberté d'expression. Madame n'en fait connaître que législature ça il y a un dialogue permanent avec leader opposition hein, et on va entrer dans plus dialogue toujours pour l'autre séance pour continuer expliquer et discuter législature ça qui gagne quelques points qui cause en pile moun paniquer de législature ça. Mesdames et messieurs, et après nous allons écouter ministre touriste là honorable Ralph Higgs lui-même qui t'a parlé tout dans conférence de presse après il te répond à pile question de la presse. Mesdames et messieurs, on écoute ministre touriste là. And we met quite largely with persons from across the community virtually. We saw the input from all of our stakeholders, persons who provide services for the tourism accommodation sector. And unilaterally, we agreed, or I should say collectively, we agreed that the 22nd of July was an ideal date to reopen our borders, as it provided us the window to ensure that all of the protocols that were established locally were working, increased capacity in our medical professionals, local testing, etc., etc. It also gave us a window to prepare to have the protocols that will govern the sector once the destination is opened. And I'm now pleased to say that on opening of the borders on the 22nd of July, we have introduced a suite of mitigating measures that will help to protect the destination following its opening. And I want to say now that all visitors to the Turks and Caicos Islands following the 22nd of
July and the opening of our borders will require pre-testing from a reputable laboratory or testing facility in their respective countries. Mesdames et Messieurs, honorable ministre touriste là, Ralph Higgs fait connaître, il était rencontré avec tout secteur qui concerne yo et il voit que 22 juillet 2021, c'est jour que tout secteur d'accord pour ouvrir frontière pays encore. Donc, il cita avec tout le monde net, il dit, tout le monde dit oui, faut juste arrêter 22 juillet, ouais, pas ouais. Et le ministre là allait plus loin pour dire que tout le monde qui a venu yo doit gain temps faire test avant yo entrer dans le laboratoire qui reconnaît. Il parlait de quantité de laboratoire checké dans l'autre pays yo qui normal yo et ceci c'est tout pays dans région avec États-Unis, ça veut dire Haïti tout. Donc on venir faut gain temps faire test corona avant que vous retournez, excepté si son citoyen pays a que vous yé, mais depuis que vous pas citoyen on va naturaliser ou pas citoyen pays a web par web faut faire test avant que ou retourner et faut test là gain 3 jours seulement mesdames et messieurs. There's a program that will be available digitally. It will be uploaded on the tourist board's website and our stakeholders website, and it's a portal that once you have made your booking you can go now and fill in the box, communicate your pre-testing certificate, you can communicate your insurance information, and you can communicate any other pre-travel requirements to local authorities via the TCI Assured portal. Once you arrive at the airport in Providenciales, you will present a certificate, the TCI Assured certificate, to show that you would have met all of the requirements for entering the Turks and Caicos Islands. Your certificate will be processed by local officials and then you will proceed on your journey in the Turks and Caicos Islands. All business providers in the Turks and Caicos Islands will be required to display this symbol, the TCI Assured symbol, which shows that they are certified to provide service to the public and they have met all of the prerequisites, all of the protocols, and they are in compliance with the protocols to provide services to our guests. As we speak, this information is being uploaded to the Tourist Board's website and is being packaged for distribution to the wider traveling public and to our source market. Ministre touriste la continue, il fait connait gagne un programme y a mettre sous net là sous site ministère touriste pour tout monde qui va venir sur l'autre pays pour monter sous lui pour capable bail information nécessaire yo sous programme ça et comme ça capable joindre une sorte de certificat et avec au capable entrer leur entrer dans territoire pour montrer immigration autorité custom yo comme ça doit. Donc ça veut dire avant venir faut aller sous site li l'avion que ou acheter ticket ou bien sous site ministère touriste pour capable checker programme ça pour bail information de où comme ça doit mesdames et messieurs. So point out that many of you will be aware that the cruise sector, an important part of our tourism offering, is set to reopen later in the year. There are waiting guidance from the CDC which will largely determine how and when the cruise sector opens. Et pour secteur bateau croiseur yo dans capitale la Grande Toque. Ministre n'en fait connait, c'est juste dans fin année hein, bateau croiseur capable retourner territoire d'après CDC, CDC qui c'est département cap gérer affaires santé dans pays les États-Unis qui pourquoi d'accord bateau croiseur yo sorti encore. Mesdames et messieurs, pendant moment ça là. Qui veut dire bagala poko a bon pour moun capitale la Grande Toque qui vraiment dépend de touristes bateau croiseur yo. Fondi nous mesdames et messieurs, tu as pile question que tu as posé, madame Boumé ensemble avec ministre touriste te répond en pile question, les journalistes qui t'ai posé ministre touriste là question sous coronavirus ça cap fait actualité dans pays les États-Unis. Bon qui j'en ça pour aller Jean Bagalaye là, est-ce que ministre pensait que TCI il paraît pour le livrer après Jean Noël coronavirus a et papier dans le monde entier. Ministre lui-même il te répond comme ça. Many of our source markets there seem to be a spike, but we believe that the pre-travel checks or tests which confirms that you are not a carrier will be a strong mitigating measure. And we believe we do mandatory medical insurance requirement. If someone slips through the crack, the insurance will be there to
to help mitigate any costs associated with taking care of them and have them evacuated in very short, evacuated or medevac out of the country in very short order. I'm sure you can appreciate that with everything, there is some risk. You can't close yourself and have no risk. We are taking every possible measure to make sure we have systems in place to identify or eliminate persons who would be carriers of the COVID-19 virus to our shores. And if someone does get in, we are taking measures to address that situation very, very rapidly. And as I said, this, and the Premier said, this is a very fluid situation. We'll keep our eyes on what is happening in our source markets, what is happening locally, and we'll constantly assess those situations. And our interest will always be in the best interest, or our actions will always be in the best interest of the health and safety of our people. But we also can appreciate that having an economy that provides for the well-being of our people is also critical. Ministre fait connaître que li comprendre situation c'est une situation difficile, mais ministre fait connaître que c'est ça que demandé pour moun yo faire test coronavirus avant même yo entrer yo venir dans territoire. Mais il connaît que pas rien risque là-dedans. A dit pays a pas arrêté fermé à cause que nous perd, donc quand même faut pays a l'ouvrir, pas rien risque là-dedans. Il fait connaître que moun ki gen coronavirus qui entre dans pays a et qui malade, donc gen assurance tout, c'est assurance voyage pour faire moun yo payer qui pour aider moun za aussi ou ta gen problème puis courir quitter pays a rapide. Donc ça veut dire on prend des mesures de précaution si en cas yon moun ta tombe malade à coronavirus dans territoire. Mais quand même pas gen danger là-dedans d'après ministre touriste là. Donc ça veut dire ouais faut que pays a l'ouvri. Jean lié là, c'est pour un point mesdames et messieurs. Donc question que nous tap essayer poser encore, comme pour qu'on gagne une date qui est exactement bateau croiseur après retourner dans Grand Talk dans capitale pays a. Eh bien, qui ça pas le fait? Journaliste te pose question sur ça tout. Eh bien, Fonzou, Madame Primaire lui-même lui te répond. Mais qui Jean Madame Primaire lui-même lui te répond? The minister, as well as I, were engaged in a number of consultations, and I would have taken on the consultation in Grand Turk, particularly in the face of what you've just said, that a large number of the population on Grand Turk depends on the cruise sector. I've been announced several times, but definitely we have something called an infrastructure fund that is jointly funded through Carnival as well as TCIG, and the leaders of Carnival as well as my ministry have agreed that we will be using those funds to help stimulate the economy through small projects and small employment for those persons who are directly impacted, persons that will be temporarily lay off until the numbers are back, as well as those that they will completely let go, as well as the ones that they will have on until such time fully. So we also have other businesses that have volunteered now and have their employees left the country by charter. So that have reduced the number of persons that will be dependent on the stimulus in Grand Turk. So the numbers that are there, the Turks and Caicos Islanders that are there, will benefit from a government program that will continue to stimulate the economy through work. They also are able to benefit from the business grant as well as the employee grant for the hospitality sector. So we have made plans for them ahead of this. We didn't anticipate the port was being closed this long, but we do have a plan, and it is a fund that we are satisfied will help us through this period. Madame Brumet a fait connaître yon l'argent. Compagnie Carnival te mette à côté avec l'État pour si t'as un mauvais moment. Madame Brumet a dit l'argent, ça, li pour l'utiliser là-dedans pour aider moun Grand Turk qui poukou a besoin moyen pour travail. Mais madame nan tout dit que genyen quelques compagnies qui déjà voyé quelques travailleurs retourner la caillou par un vol yo te frété. Donc ça vient diminuer quantité moun k'ap besoin aide dans aide l'État dans Grand Turk qui a bon pour l'État non sens. Madame dit que li croit que l'argent ça a assez pour qu'un Grand Turk pendant période là. Donc vous souhaitez c'est ça
Mesdames et messieurs, question qui t'est posée, est-ce que le gouvernement considéré couper non salaire travail l'État yo? Mesdames et messieurs, madame, n'a te répondre comme ça. No, we're not considering any cuts for anyone that is employed in the public service. We need to lay those fears, whether it's at cabinet level or otherwise. The cabinet agreed certain internal control measures for us. The Ministry of Finance to go forward on, and we'll make those announcements shortly. But no, we're not cutting anyone's salary in this pandemic. Non, madame n'a dit, yo pas coupé dans salaire aucun travail à l'État dans moment épidémie, dans moment difficile ça, mesdames et messieurs. Bon, question que nous-mêmes nous poser, comme madame Brumé a dit que l'État pas ramassé en pile l'argent et qu'on y a pendant pays à l'ouvrier, n'a demandé madame Brumé a fait l'argent qui j'en lié, qui j'en saé qui dans caisse l'État. Madame n'a répondu comme ça. We're about 40 something million dollars behind what we could have collected last year in the first period equal to this year. Madame Brumé a dit, comparé à l'année passée, yon ramassé 48 millions de dollars moins de ça ou te ramassé l'année passée. Ça veut dire, moins, yon perdu 48 millions de dollars en comparaison avec l'année passée, mesdames et messieurs. And we are still going to do as much as we possibly can. So can I give you certain news? No. No one in the world can, and anyone who purports to is nothing but a bold-faced liar. So what I will say to you, we will get through this. It's difficult getting through. I know what it is waking up. Even let's say in a hurricane, we did two hurricanes after 9 months. You wake up and everything around you is broken down. And you're like, how am I going to make it? We didn't make it. The world has gone through this 100 years ago and it rebounded. And Turks and Caicos has gone through many challenges and continue to go through many challenges. And I know beyond the shadow of a doubt that God's hand is on Turks and Caicos and we will rebound. It may be difficult going through, but we have to know that we will get through it. And I promise you, we'll get through it together and strong. Mesdames et messieurs, en conclusion, Madame Brumaire dit que bagay yo gen doit difficile en pile. Bagay yo pa bon, yo difficile, mais li croit que la fait tout ça possible pour continuer à opérer. Et li fait qu'on est que li croit que Turks et Caicos n'a pas sorti en bas mauvais moment ça. Quand même, Turks et Caicos t'est passé en bas deux cyclones, tout bagay t'est écrasé, mais pays a reprendre li. Le monde sans temps passé t'est passé en bas mauvais moment, le monde t'est reprendre li. Li croit que avec aide de Dieu, il a travaillé dur. Tissia a récampé encore comme ça doit, mesdames et messieurs. Nous pensons que c'est là que nous avons fait avec journal là. Nous te connaissons bon service, mais nous avons encore le journal sans encore patronné par tous les bons amis qui abonnent au service colossal. Songez pour abonner sur la page là, Jacques Fano TV. Nous avons continué bon service. Nous saluons le directeur technique nous, Mac Donny, qui abonne au service colossal. Marco, bon bagay. Merci en pile, Marco, bon bagay, qui abonne au service colossal. Mesdames et messieurs, nous prenons fin là. C'est ton plaisir et j'aimerais être solide. À la prochaine.